Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada. Nessa oportunidade a gente conclui a playlist que viemos montando ao longo de um certo tempo, que trata do livro de Jean Baudrillard intitulado Modepass, que foi traduzido para o português como Senhas. Este recorte que eu estou apresentando para vocês neste clipe é o mais longo de todos, ele dura mais de meia hora. Ainda assim, acho que vale a pena, porque ouvir Jean Baudrillard falando é uma delícia. Espero que vocês gostem, apesar de ser mais trabalhoso de ouvir. E espero vocês aqui no canal para uma nova oportunidade de a gente poder ter algum tipo de interação. Até mais para todo mundo. Tchau, tchau. Oui, c'est un peu la question du temps qui est posée, enfin, la linéarité de l'évolution, enfin, toute notre dimension quand même, conventionnelle peut-être, présent, passé, futur, dont là il y a une fin, il y a une origine, il y a une fin, comme ailleurs il y a une cause, il y a des effets. Mais la fin, ça veut dire aussi quelque part la mort, ça veut dire qu'on cherche à mettre fin à la mort, c'est-à-dire à évacuer justement ce qui serait la fin, le terme, c'est-à-dire la finalité aussi de quelque chose, quoi. Ce qui donne un sens quelque part dans le temps et dans l'esprit aussi, quoi. Et qu'on est dans des processus qui, se développant comme ça de façon en réaction en chaîne et tout, deviennent exponentiels au-delà de leur masse critique, au-delà d'un certain seuil, n'ont plus de fin. C'est-à-dire, c'est un peu ce que disait Canetti à propos de l'histoire, disant qu'on était passé dans un point au-delà du vrai et du faux, au-delà du bien et du mal, d'une certaine façon, où, au-delà de ce point-là, nous ne pouvons plus savoir ce qui est vrai et faux, et qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière, quoi. Il y a une espèce d'irréversibilité comme ça, au-delà de laquelle les choses ont perdu leur fin. Hein? Même l'histoire, d'une certaine façon, à ce moment-là, perd sa fin. C'est-à-dire quelque chose qui lui donnerait un sens. Parce que quand quelque chose prend fin, c'est que ça a eu lieu. C'est que ça, bon. Tandis que si ça n'a plus de fin, eh bien voilà, on entre dans une histoire interminable, on entre dans une crise interminable, on entre dans des tas de processus interminables. Or là, nous, on est dans un système qui essaie de mettre fin à la fin, quoi, de faire qu'il n'y ait plus de d'échéance comme celle-là. Alors, c'est un petit peu... Oui, moi, ce que j'avais voulu voir aussi dans l'histoire de l'an 2000, enfin, tout ça, c'est-à-dire, est-ce que nous avons encore des échéances réelles, quoi? Ou est-ce qu'on est dans un compte à rebours qui n'est pas la fin? Le compte à rebours, c'est simplement l'exténuation de quelque chose. On arrive à épuisement d'un processus, mais il ne prend pas fin pour autant, il devient interminable. Alors ça, c'est un paradoxe, et qui est grave dans une certaine mesure, parce que il veut dire que ou nous n'atteindrons jamais la fin, nous n'y arriverons jamais, ou alors ça veut dire que nous sommes déjà au-delà. Hein? Moi je disais ça, l'an 2000 n'aura jamais lieu parce qu'on y est déjà passé depuis longtemps. Il y a une espèce de soubresaut comme ça de la temporalité qui fait qu'on ne peut plus localiser ni une fin, et qu'à défaut de fin, on essaie désespérément de repérer l'origine. Alors ça, c'est toute notre compulsion de la recherche des origines aujourd'hui, enfin, anthropologique, paléontologique. On voit reculer les limites dans le temps, en arrière, évidemment, dans une espèce de passé. Alors là, lui aussi, interminable, il n'y aura pas de limite à cette recherche-là, quoi. Le problème devient à ce moment-là, et je veux dire, il est passionnant, de ce qui se passe au-delà de la fin. Faire l'hypothèse à ce moment-là qu'on a déjà finalement franchi ce mur, hein, qu'on est déjà dans une forme exponentielle, illimitée, où tout se développe dans le vide à l'infini, comme ça, sans pouvoir être ressaisi par une dimension, quoi, humaine, bon, où on perd à la fois la mémoire du passé, la projection du futur, la possibilité d'intégrer le futur dans une action présente, etc. Alors, on serait déjà au-delà de la fin, c'est-à-dire un état tout à fait,
abstrait, enfin complètement désincarné d'une certaine façon, où les choses continuent par inertie. À ce moment-là, c'est la force d'inertie qui joue, c'est plus la force de développement. La force, elle continue par inertie, elle devient le simulacre d'elle-même ou le clone elle-même, etc. Et là, on ne peut plus y mettre fin parce qu'il n'y a plus de raison, je veux dire. Elles n'ont plus, elles sont la synthèse artificielle ou la prothèse de quelque chose. Et donc là, c'est assuré d'une existence, c'est une sorte d'immortalité et d'éternité qui est celle du clone, quoi, d'un univers clone comme ça. Alors ça, c'est en quelque sorte, bon, c'est le problème qui avait été posé de la fin de l'histoire. Bon, alors, c'est pas le problème que l'histoire aurait pris fin, comme dit notre cher Fukuyama. C'est le problème qu'elle n'aura pas de fin, mais qu'elle n'a plus de finalité, quoi. C'est-à-dire qu'elle continuera par inertie, comme bien d'autres choses. Mais elle ne sera jamais résolue, il n'y aura pas de résolution. Le problème de la fin, c'était un problème important. Moi, je l'avais traité sous la forme de l'illusion, c'est-à-dire qu'on vit toujours quand même dans l'illusion de la fin, enfin que quelque chose prendra un sens à son terme, aura son terme et prendra un sens, etc., dans l'illusion quand même d'un accomplissement final des choses qui effectivement donnerait un sens et qui permettrait rétrospectivement de resituer l'origine aussi. Alors là, on aurait un commencement, une fin, donc une cause, des causes, etc. Alors on voit bien pourquoi on veut d'une certaine façon expurger la mort, enfin faire que les processus n'aient que l'apoptose, enfin par exemple cette régulation des choses par leur mort, quoi, qui est ou programmée ou acceptée et tout. Bon, on fait ablation de ça, et qu'à ce moment-là, on donne aux cellules, comme aux individus, comme aux événements, une dimension de perpétuation sans fin, quoi. La fin de la fin, si je peux dire, c'est un événement fatal dans ce sens-là, vraiment. Hein, oui, on pourrait le dire très simplement, hein, d'avoir vraiment extradé la mort, enfin d'essayer tout au moins de mettre fin à la mort. Bon, là, on est dans cette compulsion qu'on voit là tous les jours, enfin tous les efforts infinis faits pour retarder une échéance, pour ne plus vieillir, commandé même à sa naissance par anticipation, en choisissant d'avance son propre sexe, enfin n'importe quoi. Je veux dire, toutes les possibilités qui technologiquement sont toutes vraisemblables, parce que la technologie peut, en assumant tout cela, elle a remplacé la détermination qui est à un moment donné deux choses sont exclusives l'une de l'autre, elles se séparent et elles auront un destin différent, remplacé par au contraire l'infinie possibilité de tout faire l'un après l'autre. Mais s'il n'y a plus de fin, s'il n'y a plus d'échéance de ce type-là, de finitude, alors le sujet ne sait plus ce qu'il est, je pense. Enfin, il ne sait plus. S'il est immortel, il ne sait plus ce qu'il est. Et c'est cette immortalité-là qu'on est en train d'essayer d'assurer. Parce que, mais le fantasme ultime de nos technologies, enfin, c'est celui-là, c'est certainement celui-là. Alors, le crime parfait serait vraiment une espèce de faisceau comme ça, justement, faisceau de preuve alors, là, qui consisterait à l'élimination du monde réel, mais c'est pas tellement ça qui m'importe, moi, l'élimination de l'illusion originelle, l'illusion fatale du monde. Hein, parce qu'on pourrait convenir que le monde lui-même est une sorte de crime parfait. Il est sans mobile en soi, il n'a pas d'équivalent, il n'y a pas de trace hors de lui, de toute façon, il n'y a pas d'auteur présumé, c'est-à-dire un grand sujet qui serait là. Et on peut imaginer que, originellement, on est déjà dans le crime. Mais on est dans, justement dans le crime, la mort, des choses comme ça sont là, la part maudite.
Mais le crime parfait, c'est la perfection qui est criminelle, c'est-à-dire c'est parfaire le monde, c'est-à-dire l'achever, l'accomplir, et donc lui trouver une solution finale, comme on disait là. Alors c'est un petit peu, ça me fait penser à cette espèce de parabole là, souvent citée sur l'aventure des moines du Tibet qui sont en train de déchiffrer tous les noms de Dieu, les 9 milliards de noms de Dieu, et qui sont là depuis des siècles à le faire, et qui sont un peu fatigués, donc ils font venir les gens d'IBM, donc font intervenir les puissances virtuelles, en quelque sorte, et les gens d'IBM arrivent avec leur ordinateur, et eux, en un mois, ils ont achevé tout le travail. Or, la prophétie des moines disait qu'une fois achevée cette comptabilité du monde, les noms de Dieu, le monde prendrait fin. Hein, c'est la fin, c'est la perfection, parfaire le monde. Alors voilà, et la fin de l'histoire, évidemment les gens d'IBM n'y croient pas, mais quand ils redescendent de la montagne une fois le travail achevé, ils voient les étoiles s'éteindre une à une au firmament. Ça me semble une très bonne parabole de, disons, quelque chose comme l'extermination du monde par sa vérification dernière, quoi, en quelque sorte. C'est au fond faire œuvre de vérité, de calcul, de comptabilité, de vérité, hein. Or, nous, on est un peu la seule culture. Au fond, si on prend que le monde est une illusion, toutes les autres grandes cultures ont eu pour travail de, comment je vais dire, de gérer l'illusion par l'illusion, hein, c'est-à-dire le mal par le mal, en fait. Hein. Nous sommes la seule culture à prétendre réduire l'illusion par la vérité. Et d'une certaine façon, c'est ça la plus fantastique des illusions, alors, dans ce sens-là. Alors, ça, à ce moment-là, ça équivaut à l'extermination, c'est-à-dire ce qui est en cause dans le crime parfait perpétré sur le monde, mais sur le temps, sur le corps, sur des tas de choses comme ça, c'est-à-dire cette espèce de dissolution, évidemment par la vérification objective des choses, par l'identification. Ça équivaut à éliminer, une fois encore, on l'avait déjà dit, la mort. Ce n'est plus la mort, c'est l'extermination. Exterminer, littéralement, ça veut dire priver quelque chose de sa propre fin, hein, le priver de son terme. Voilà. Alors, c'est un petit peu éliminer cette dualité de la vie et de la mort, enfin, cet antagonisme des choses et tout, réduire tout à une espèce de principe unique, hein. Allez, on pourrait dire une pensée unique du monde, en quelque sorte, quoi, qui se traduirait dans toutes nos technologies, aujourd'hui surtout nos technologies du virtuel, quoi. Donc c'est à la fois un crime contre le monde réel, qui devient comme on dit, une fonction inutile, bien entendu, mais moi je crois plus profondément, plus radicalement, un crime perpétré contre l'illusion du monde, c'est-à-dire son incertitude radicale, sa dualité, son antagonisme, enfin tout ce qui est en jeu et qui fait qu'il y a du destin, si je peux dire, en anticipant un petit peu, qu'il y a du conflit, du destin, de la mort, voilà. Alors, en éliminant le principe, tout principe négatif, dont celui de la mort, on aboutirait, si la tentative réussissait, à un monde unifié, homogénéisé, totalement vérifié en quelque sorte, et qui serait, bon, par là même, à mon avis, exterminé. L'extermination étant vraiment notre nouveau mode de disparition, hein, celui qu'on aurait substitué à la mort en quelque sorte. Voilà un peu l'histoire du crime parfait, et ça semble un peu métaphysique, un peu abstrait, mais ça se traduit, je veux dire, dans toute l'opérationnalité actuelle du monde, enfin dans tout ce qui se passe, je veux dire, dans toutes nos façons de réaliser tout ce qui peut être rêve, fantasme, utopie, illusion, etc., de le transcrire numériquement, dans du calcul, dans de l'information, etc. Alors ça, c'est le travail, en effet, du virtuel, dans son acception la plus générale, quoi. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui permet de dire que c'est un crime ? C'est le fait qu'on arrive à une perfection, hein. C'est la perfection, dans ce sens-là, évidemment, c'est l'accomplissement total. Donc, cette totalisation, c'est une fin, quoi. Il n'y a plus de destination ailleurs. Il n'y a plus d'ailleurs, de toute façon, à ce moment-là. Hein. Crime parfait, c'est en particulier celui contre l'altérité, évidemment, contre
l'autre. Hein. Il n'y a plus que du même. Le monde est enfin identifié à lui-même, identique à lui-même, et par exclusion de tout principe d'altérité. Quoi. Mais aujourd'hui, dans ce qui est promu en tant qu'individu, qui n'est plus du tout le sujet philosophique ou le sujet critique de l'histoire, etc., c'est une molécule parfaitement opérationnelle, quoi, mais laissée à elle seule, et qui ne peut pas assumer à elle seule, elle n'aura pas de destin, elle n'aura plus qu'un déroulement comme celui-là, et en particulier, elle se reproduira à l'infini. On revient à la dimension du clonage. Le clonage, dans son acception plus générale, ça fait partie du crime parfait, c'est-à-dire de cette reproduction indéfinie du même, quoi. Ou une reproduction du monde, mais dans son identité pure et simple. Le destin, moi j'en donnerais volontiers une image prise à autre chose qui est le partage des eaux, ce fameux Continental Divide aux États-Unis, hein, où les eaux qui partent vers le Pacifique, les autres vers l'Atlantique. Bon, c'est-à-dire cette division, à un moment donné, deux choses se séparent définitivement, irréversiblement, semble-t-il, tout au moins. Elles ne se rejoindront plus jamais. Et on peut dire la même chose de la naissance, par exemple. La naissance est une séparation définitive. Quelque chose a lieu, quelque chose prend forme d'existence, quelque chose ne le prend pas. Et ce qui n'est pas né en même temps, qui deviendra l'autre, restera en termes d'altérité. Bon, le destin serait donc une forme de séparation définitive, irréversible, mais quelque part, les choses resteront complices d'elles-mêmes. C'est un peu comme en physique, hein, la physique, l'ultra-microphysique moderne des particules parle bien à la fois de la séparabilité, hein, et l'inséparabilité des particules. Quelque part, où qu'elles aillent et elles divergent définitivement, chaque particule reste quand même liée, connectée à son antiparticule ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, je ne saurais pas l'expliquer mieux, bien entendu. Bon, le destin, comme on le voit, nous, à travers la tragédie et tout, c'est un petit peu ce serait la forme de ce qui naît, de ce qui meurt sous le même signe. C'est-à-dire, le même signe qui amène à la vie, à l'existence, c'est celui aussi qui vous amènera à la mort. Ce sera sous le même signe fatal, donc finalement, que les choses commenceront et finiront. C'est la fameuse histoire, ça, que j'aimais beaucoup, moi, de la mort à Samarcande, là où ce soldat qui se balade sur le marché et qui voit la mort lui faire signe quelque part, là il prend très peur, il va voir le roi et dit « je m'enfuis, je vais le plus loin possible, j'ai vu la mort m'a fait signe, je fuis vers Samarcande le plus loin possible ». Et le roi convoque la mort pour lui dire « mais pourquoi tu te terrifiais, mon capitaine, là, mon soldat ?» Mais elle dit, j'ai pas voulu lui faire peur du tout. Je voulais simplement lui rappeler qu'on avait rendez-vous ce soir à Samarcande. On cherche à échapper, et plus on va loin, à l'opposé absolu, aux antipodes de ce à quoi on cherche à échapper, plus on se rapproche. Le destin n'est pas intentionnel, bien entendu, mais on a l'impression que, bon, plus le destin de Diana était un apogée de gloire et de succès, de positif et tout, quelque part, sans doute, il y avait un dispositif qui travaillait à l'envers et qui faisait qu'en effet, l'accomplissement dernier, ça aurait été le sacrifice de tout ça en un seul instant, comme ça, imprévisible, bien entendu, quoi. L'événement, c'est pas celui qui a des causes, qu'on peut expliquer par des causes, etc. C'est ce qui, à un moment donné, contredit toutes les causalités, etc. Et arrive de où, d'ailleurs, c'est peut-être de cette destination secrète. Hein. Par exemple, la mort de Diana, bon, on peut lui trouver des causes, on peut essayer de réduire l'événement à ses causes. En fait, à mon avis, c'est toujours un alibi de retrouver les causes pour retrouver les effets. On n'épuisera pas de cette façon le sens ou le non-sens de l'événement. Or, moi, là, ce qui faisait l'événement, ce qui fait que c'est quand même un moment passionnant, c'est qu'il y avait là un retournement, enfin une chose presque venue d'ailleurs, mais peut-être venue presque au fond de la volonté collective de sacrifice, lorsque les choses, fastes, hein, lorsqu'elles sont trop fastes, elles deviennent funestes, enfin ce renversement il est toujours là. Le destin c'est quand même toujours le principe de réversibilité
en acte. Hein. Et dans ce sens-là, je dirais là, en effet, c'est le monde qui nous pense. Et sa façon de nous penser, c'est pas du tout, bien sûr, une pensée discursive. Hein. C'est une façon de renverser les choses comme ça et de nous penser à l'envers, hein, contre tous nos efforts, nous, de le penser à l'endroit. Le destin s'opposerait à la destination. La destination, c'est ce qui a une finalité claire. Le destin, c'est ce qui a une destination secrète. C'est autre chose. Et la prédestination ajouterait, mais pas dans le sens religieux, hein, je ne le prends pas dans le sens religieux, mais la prédestination dirait, nous sommes prédestinés, tel moment est prédestiné à l'autre, tel mot est prédestiné à l'autre. Dans le poème, par exemple, les mots sont prédestinés les uns aux autres. On a l'impression qu'ils ont toujours été destinés à se recouper. Je pense que dans la séduction, il y a une forme de prédestination comme ça. On est toujours destiné à l'autre. L'un et l'autre sont destinés l'un à l'autre, c'est ça. C'est un échange, c'est une forme duel aussi. C'est pas un destin individuel. Hein. Bon, ça c'est la conception qu'on en a. En général, ça vous tombe dessus et vous êtes là. Non, destin, en effet, c'est cet échange symbolique, disons, entre le monde et nous, enfin entre les... et qui nous pense et que nous pensons, ou cette collision en même temps, les deux, télescopage et complicité. Entre des choses comme ça. Mais on tombe un peu dans une dimension qui est celle de la tragédie, d'ailleurs. C'est vrai que ça sera toujours puni, mais pas puni en vertu du droit par un châtiment. Il y aura une réversibilité qui fait que quelque chose là-dedans sera vengé. Il faudra que ça soit vengé. Et là, c'est Canetti dit, bon, la vengeance, c'est même pas la peine de la vouloir. Hein, elle se fera, elle est automatique, elle se fait automatiquement par la réversibilité automatique des choses. Ça, c'est la réversibilité du bien et du mal, de toutes ces choses-là. Et là, il y a une forme de destin, oui. Oui, ce que j'avais dit sur au fond, ces mondes parallèles, tout ça, c'est finalement une réalité qui se dissocie parce qu'on a trop voulu l'unifier, l'homogénéiser. Est-ce que la dualité, dont la réversibilité est une forme presque appliquée en quelque sorte, quoi, l'échange symbolique de deux termes, il y a une dualité, il y a un échange symbolique qui est la réversibilité des deux formes. Est-ce que cette dualité doit être mise au principe, hein? Est-ce que le monde est duel, je veux dire, est-ce qu'on aurait affaire à une forme presque manichéenne à ce moment-là? Il y aurait un ordre du monde ou un désordre du monde où il y aurait un principe du mal qui ont commencé dans la pensée manichéenne, quand même cette espèce de coexistence et antagonisme de deux principes éternels et égaux, le bien et le mal. Hein. Bon, ça c'est la pensée manichéenne. Mais le monde créé est l'œuvre du mal. Hein. Tout fonctionne au mal, l'énergie vient du mal, etc. Et finalement, ce qui peut se trouver de bien, de vérité, de réel, etc., ce sont des effets... pas des effets de surface, mais des effets assez étranges. Le mystère, c'est qu'il y ait du bien, en fait, parce que c'est toujours posé en sens inverse. Hein. On se demande comment peut-il y avoir tellement de mal. Enfin, comment les choses peuvent-elles être tellement perverses? Comment la nature humaine, comment peut-elle être aussi méchante, etc. Or, il faudrait poser et renverser le truc. Comment se fait-il qu'il puisse exister à un moment donné? Du réel, du bien, des choses comme ça. Comment peut-il y avoir, on l'avait posé au début, la question même de l'économique, c'est-à-dire comment peut-il y avoir un effet de valeur, quelque part, et d'équivalence, c'est-à-dire que quelque part, dans une pellicule du monde, comme ça, puisse s'instituer un principe d'ordre, un principe de régulation et d'équilibre qui fonctionne. Hein. Ça, c'est presque un miracle, et ça reste, à mon avis, ça fait partie de l'incertitude, c'est-à-dire c'est une question qui est presque insoluble. La chose très difficile à comprendre pour nous, c'est la dualité, c'est le principe duel. Parce que on est dans une philosophie générale de l'un, enfin l'être, c'est l'un, c'est destiné soit au départ, soit à l'arrivée,
à se finaliser dans l'unité, hein, dans le bon. Et ça, nous, c'est notre mode de pensée. Tout ce qui contredit à ça, ce qui contrevient à ça, est renvoyé à une chose qui ne devrait pas exister. Et ça, c'est un principe vraiment très très moral, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, on décrit, on contrôle, on maîtrise non pas ce qui est, mais on essaie de contrôler ce qui ne devrait pas exister. Or, bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus fascinant, enfin beaucoup plus saisissant, si on pose au principe la dualité irréversible, enfin la dualité irréconciliable des principes, quoi. Le bien et le mal, bon, nous on les oppose. On les oppose en termes quand même dialectiques, tels que il y ait une morale possible, c'est-à-dire qu'on puisse choisir entre l'un et l'autre. Or, il n'est pas dit qu'on ait le choix, en fait, parce que, justement, à cause de cette réversibilité perverse, précisément, on voit bien que toutes les tentatives de faire le bien, la plupart du temps, à moyen ou à long terme, elles produisent le mal. Là, on a assez d'exemples, effectivement, de 12 ordres, hein, que ce soit dans politique, mais partout, au fond, dans nos actions même. Et d'ailleurs, même la chose inverse existe aussi. C'est-à-dire que vouloir faire le mal, enfin, à force de faire le mal, éventuellement, on finit par faire du bien. Hein. Et il y a toujours des effets comme ça, de bien et de mal, qui sont donc complètement contingents, complètement flottants, en quelque sorte, tels que les deux principes, c'est une illusion que de les considérer séparément et de penser qu'il y a là un choix possible, une raison morale, et quelque chose comme celle-là. Si on est dans la dualité, on pourrait se dire, au fond, par exemple, que le bien... En reprenant la métaphore de l'iceberg, tiens, c'est pas mal, que le bien, c'est la partie émergée du mal. Hein, et ce qui, d'ailleurs, voudrait dire que les 9/10, en effet, sont la partie du mal, et qu'il y a une zone émergée. Et que... Bon, de temps en temps, il y a un retournement. Quand l'iceberg fond, ça se retourne et le mal devient le bien. Et puis à la fin, le bien et le mal se confondent. C'est-à-dire que, comment dire, le bien, c'est là où il y a une opposition réglée entre le bien et le mal. C'est pas des choses exclusives l'un de l'autre. Le bien, c'est quand le bien et le mal peuvent se négocier, s'échanger, se choisir, etc. Il y a un mode déterminé à l'existence. Le mal, c'est quand il n'y a pas possibilité de, ou quand il y a une confusion entre les deux, ou une réversibilité du bien et du mal. Ça, c'est le mal. C'est ça qui est assez difficile à saisir. Et pour l'imagination, poser en principe ce principe duel, enfin cette forme duelle, cette forme de l'altérité, c'est très difficile à saisir. Bon, c'est tout. Moi, je ne fais que poser le problème. Et pour le poser, il faut adopter un point de vue paradoxal. Il n'y a rien à faire. Il faut inverser les termes, il faut partir du mal, il faut partir de l'incertitude, il faut inverser tous les termes, quoi. Donc là, il faut une pensée paradoxale. Oui, si on part donc d'un principe, là, ce principe de réversibilité assez simple, c'est le monde qui nous pense, mais c'est quand même nous qui pensons que le monde nous pense. Enfin, il y a un effet de... La pensée, là, serait une forme duelle, en fait. Hein. La pensée n'est pas celle du sujet individuel, c'est quelque chose qui se partage. Elle se partage entre le monde et nous. Moi, ce serait mon avis, c'est-à-dire que nous pouvons penser relativement le monde parce que, quelque part, c'est le monde qui nous pense, quoi. Alors, ça n'est plus exactement, il ne peut plus s'agir d'une pensée sujet, c'est-à-dire celle qui impose quand même d'une façon ou d'une autre un ordre, enfin qui se situe extérieur à son objet, qui est une confrontation avec l'objet et qui peut le tenir à distance, quoi. À mon avis, cette situation-là, peut-être n'a-t-elle jamais existé. Elle aussi est une espèce de psychodrame comme ça, intellectuel, majestueux, hein, qui a pris quand même une forme fantastique. Mais peut-être que là, quelque chose a changé qui fait que
Le monde fait irruption, les apparences font irruption, l'objet fait irruption. L'objet qu'on avait cru circonscrire quand même dans une sorte de passivité analytique, comme ça, se venge, en quelque sorte, je serais assez pour la vengeance de l'objet ou du monde. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un effet retour, un retour de flamme, qui fait que nous sommes obligés de tenir compte. Et là, c'est le point de départ de l'incertitude. Parce que, est-ce que cette incertitude du monde est celle de la pensée? Est-ce que c'est la pensée qui introduit, injecte l'incertitude dans le monde? Est-ce que c'est la pensée qui rend le monde incertain? Ou est-ce que c'est le monde, en définitive, qui est lui-même fondamentalement au niveau de l'incertitude et de l'illusion radicale et qui entraîne la pensée? Enfin bon, où est... Bon, on va pas trouver un point de départ. Je pense qu'il faut se tenir au fait que ça sera définitivement indécidable lequel est à l'origine de l'incertitude. Mais il y a à la fois une incertitude dans le fait de ne plus avoir un point de départ, un abcès de fixation qui était le sujet pensant dans la philosophie, dans notre philosophie classique, notre philosophie occidentale. Et puis le fait que que ça s'échange. Là, il y a une sorte d'échange duel, un échange symbolique du monde et de la pensée. Ou alors, le statut de la pensée n'est plus du tout celui d'un discours maître de lui-même, enfin un discours d'ordre. Hein, et de rationalisation du monde, y compris le discours des sciences, etc., qui commence quand même à flancher, enfin, je veux dire, à se déstabiliser lui aussi. Et alors l'avancée est remise dans le cours du monde. Elle redevient une pensée monde, c'est-à-dire qu'elle fait événement dans le monde, mais elle est elle-même un événement du monde. Mais le monde fait événement aussi dans la pensée. Et que là, on ne peut plus isoler, je veux dire, un territoire de pensée qui serait vraiment une maîtrise analytique des choses. Enfin, et si l'état du monde est un état paradoxal, ambigu, incertain, aléatoire, etc., ou réversible, il faut une pensée, il faut trouver une pensée paradoxale, incertaine, bon, je sais pas. Et, si elle veut faire événement dans le monde, la pensée doit être en quelque sorte à l'image d'eux. Alors, à l'image d'un monde qu'on supposait déterminé, enfin objectif en quelque sorte, une pensée objective était parfaitement adéquate. Hein. À l'image d'un monde déstabilisé, incertain, cette pensée-là ne l'est plus. Donc, il faut que la pensée redevienne une sorte de pensée événement, de pensée objet, enfin qui arrive à, comment je veux dire, à faire de l'incertitude un principe, une règle du jeu, hein, de faire de l'échange impossible une règle du jeu, et de se dire la pensée ne s'échange pas contre la vérité, elle ne s'échange pas contre la réalité, elle est autre chose. Et ça c'est énigmatique, parce que fait-elle à ce moment-là, ou comment peut-elle encore se situer, je sais pas, sans prétendre au sens, enfin à la signification, à la maîtrise des significations, hein. Et être une pensée des apparences aussi, enfin être dans le flux des apparences, à être elle-même, oui c'est ça, être non référencié sur la vérité. C'est le principe de l'échange impossible. Il me semble que la pensée doit elle-même en tenir compte, enfin faire de l'incertitude, enfin une règle du jeu. Il y a encore du jeu, ça joue, on joue, la pensée joue, mais elle doit savoir qu'elle joue sans conclusion possible, enfin dans une forme définitive d'illusion presque d'une certaine façon. Mais l'illusion c'est une mise en jeu littéralement, étymologiquement. Ça veut dire une mise en jeu. La pensée est une mise en jeu, effectivement, y compris de son propre, bon, sa propre statut. Enfin, elle doit abandonner toute prétention, je veux dire, à la vérité. La pensée, là, est un agent, évidemment, provocateur, mais même plus que ça, c'est un agent. Mais tout est dans l'art de disparaître ou de faire disparaître. Hein. C'est l'art illusionniste, alors là, qui gère l'illusion par l'illusion, hein, qui n'essaie pas de rétablir une vérité quelconque. En tout cas, on est à l'opposé, effectivement, d'une pensée qui se voudrait la mesure de toute chose, enfin, à quoi toute chose puisse être mesurée. Là, on est vraiment un principe radical, mais je ne dis pas que, enfin, qu'il s'applique partout. On peut avoir finalement, on navigue peut-être d'ailleurs aux deux niveaux de pensée. On navigue forcément au niveau d'une pensée
opérationnelle, enfin qui explique la pensée causale, la pensée rationnelle. Bon, on vit dans un monde qui est lui-même relativement obéi à ce principe-là, un monde newtonien si on veut, et donc cette pensée-là, elle peut toujours fonctionner, et nous fonctionnons pour une large part encore là-dessus. Mais il y a un niveau de pensée beaucoup plus radical, alors qui serait celui qui ferait partie de cette destination secrète du monde dont on parlait, hein. Pensée destin aussi dans ce sens-là, une sorte de stratégie fatale qui n'est plus du tout une stratégie rationnelle de maîtrise du monde.